Yo, salut les amis. Eh ben ça va un peu mieux moi, la santé après mon opération. Eh ben retour en Vendée. Comme je vous ai dit, je vais m'installer bientôt en Vendée. Je dirais pas la commune, bien sûr. Et là, je fais des allers-retours, mais bon, il y a un petit VG demain. Hier. Je suis fatigué. Hier matin. Je pensais qu'il y avait rien. D'un coup, c'est sorti. Il y en a qui se sont mis bien, tant mieux pour eux. La vôtre, excusez-moi, petit café du matin, un petit thé du matin. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé de la qualité. Donc maintenant, comme dit Alex Gaming, que malgré tout je respecte quoi qu'il arrive, hein, Alex Gaming j'aime bien, ou un petit big up à Enogame qui m'a envoyé des petits messages. Je cible mes achats parce que j'en ai marre d'acheter en quantité. Il y en a qui le savent. Oui, j'achète certaines choses pour revendre. Oui, je le dis haut et fort. Alex, pas Alex Gaming, pardon, JV Retro le dit. Après, les mecs qui prennent plusieurs choses pour revendre, qu'ils ont 50 fois dans la collection, après, je ne vais pas les critiquer, ils ont raison. Il y en a qui disent oui, il y en a qui m'ont dit. Sérieusement, il y en a qui m'ont dit, je pense qu'ils ont dû le dire à d'autres qui font des vidéos. Ouais, tu peux pas laisser ça aux autres. Mais que ce soit moi ou les autres qui prennent une Nintendo 64 avec 30 jeux, je lui dis, tiens, toi, une Nintendo avec 64 avec 30 jeux, il te dit 50 €. Oh, sur les 30, j'en ai 28. Tu laisses? Il m'a dit, oui, il y en a un, il m'a dit, oui, je laisse pour les autres. Ouais. Nintendo 64 avec 30 jeux à 50 balles, j'ai vu déjà. Tu laisses? Enfin, 30 jeux, 28, 29 jeux. J'arrondis à 30. Il me dit, ouais, je peut-être prends un ou deux jeux, je négocie, je laisse pour les autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je prends, j'en ai rien à foutre. Et si j'ai envie de revendre, parce que vous croyez que l'argent tombe du ciel pour financer les VG, non, voilà. Bon, allez, on va commencer par un lot. Dans le désordre, je sais plus qui est qui. Et voilà. J'ai fait pour la somme de. C'était 2 euros le jeu, de 4, 6, 8. J'ai eu à 6 euros le lot. Non, 7 euros le lot, pardon. 1 euro symbolique. J'ai pris un Kingdom Hearts complet sur PS3. En état, mais concours. Bon, celui-là, je l'ai pris pour la beauté du geste. Resident Evil 6. Kingdom Hearts complet encore. Partir à l'échange. Oui, il y a des échanges, c'est pas forcément que la revente. Et un petit Metal Gear Collector. Ça, je suis content par contre. Celui-là, je vais le garder. Complet. Ah, mais il est à concours celui-là. Est à concours. Il est. Il est. Je me demande s'il a servi parce que. Alors, le CD est dans un état, mais proche d'une. Je me demande s'il m'a mis. La boîte, il a dû être déballé, joué une fois, je pense. Bah, je pense, j'en suis pas sûr, mais je suis pas celui qui l'a acheté, mais voilà. S'il y en a que ça intéresse pour un échange, hein, bien sûr, je cherche que du Super Nintendo, de la NES et du 64. Si ça intéresse, hein, c'est bon. Voilà, c'est 4 jeux pour 7 euros. Après, il y en a aussi qui me disent, j'échange parce que sur une base de 7 euros parce que t'as acheté le lot à 7 euros. Ouais. Ce que j'ai acheté là en boîte, si ça vaut, je l'ai acheté 30 balles. Si, bref, c'est pas grave. Il y a quand même des pépites. Je vais, voilà. Il y a ça pour 7 euros. Je vais garder ce joli petit lot. Vous voyez, qui fait à peu près 12 jeux que j'ai payé une misère. J'ai pu choper un pistolet qui fait partie de ce lot, un pistolet Namco pour 10 euros. Je sais pas pourquoi elle voulait pas baisser la dame, mais bon, je trouve que 10 euros un officiel sur PlayStation 1, et ben celui-là je vais me le garder. Je l'ai pas pour les jeux de shoot them up, pour les jeux de tir. Pardon, qu'est-ce que je raconte? J'ai pu choper, alors ça si elle va partir en vente ou direct à l'échange, mais ben je préférais l'échange, pas d'envoi. Une PS Vita pour la somme de. Elle a été affichée à 40, j'ai dit 30, la dame a dit on se rejoint à 2. 35 euros. Complète de chez complète. Boîte en bon état avec un jeu Minecraft. Elle n'avait pas d'autre. Elle m'a dit je sais pas où ils sont.
la console, mais et t'as concours aussi. Ça s'allume. Il y a toutes les notices. Il y a toutes les notices. Il y a tout, 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 tout. Ah, le chien qui aboie dans le jardin. Ah, vous voyez. Elle fonctionne. On entend le son. Ah voilà. Maintenant on va l'éteindre. Il faut rester appuyé. Et on éteint. Et t'as concours. 35 euros. Ça vaut le coup. Allez, on part sur des jeux PlayStation 1. Acheté 3 euros pièce, non négociable. On m'a dit ils sont tous à 3 euros, mais ils sont tous complets, en très bon état, avec la notice. À celui-là, je suis content. J'ai pu choper un S-Combat 3. J'ai pu choper un. Avec un surprise du chef Rayman 3. Un 2. J'ai pu choper un Resident Evil 2, mais version Platinum, c'est dommage, mais c'est toujours ça de prix. Complet, notice, les deux jeux, 3 euros. Je mets au défi de dire que personne ne prend. Un petit encore, bah, le week-end de suite que j'en trouve un, Siphon Fighter 2. Un Grand Turismo 2 avec les 4 CD. Ça, je suis content parce que le Grand Turismo 1, je l'ai déjà. Un Crash Bandicoot. Un Stage Roller 2. Alors, celui-ci, il n'est pas courant. Et puis, il y a une petite cote quand même. Celui-là, il va partir à l'échange parce que j'aime pas du tout. Un Metal Gear. Un corps complet. Un Siphon Fighter. Un jeu de guerre, Grudge Warrior. Celui-là, il n'est pas très coté, mais je l'ai pris parce que alors, la boîte, elle est dans un état proche du neuf. Un Metal Gear. Et un Time Crisis. Sûrement parce que bon, le pistolet, je l'avais acheté 10 euros. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai payé 36 euros. Ouais, 36 euros, non négociable. Elle m'a dit c'est 3 euros non négociable parce qu'elle me dit ça c'est. Je débarrasse, je sais que ça partira. Je lui ai dit honnêtement, ouais, franchement, j'ai pas négocié parce que 36 euros c'est peut-être le prix de Siphon Fighter avec, je sais pas, de Resident Evil avec Metal Gear. Donc, c'est rare quand je dis. J'ai essayé, je vous dis pas. Je lui ai dit 30 euros on est bon ou 35. Elle m'a dit non, non. 36 c'est 36. Elle m'a dit 1 euro ça fait une baguette. Mais je lui ai dit ouais, vous avez bien raison. Mais honnêtement, c'est un super lot. Voilà, voilà. Peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont partir à l'échange, mais genre Resident Evil, je suis pas un fan de Survival Horror, Crash non, les jeux de shoot non, peut-être les Metal Gear aussi, je sais pas. Voilà, sur ce, c'était Steph, passion, rétro Nintendo, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.